Alors, YouTube, c'est bon. Le pipi est fait, le goûter est pris en à peu près 40 secondes. Donc, ça suffit largement, hein, pause de 40 secondes pour aller pour goûter. C'est évidemment parfait. Bah, vas-y, on y retourne. Il y a autre chose. Mon tel est plein. Et RAM, tant que. Faut que je me rachète un elliptique pour le nouvel appartement, du reste. Gromf. C'est pas, ouais, c'est pas le même. Hein. L'elliptique, c'est top, mais ça demande un peu plus d'effort qu'un vélo d'appart classique, quoi, c'est clair. L'elliptique est plus physique que le vélo, quoi. Je hais l'elliptique, nous dit Git. Mais du coup. Non mais ton tel, Gigit, on pourrait te le réinstaller. Ah, ça fait des mois que je te dis, on te le réinstalle, on te le passe sous lignage, c'est parfait. Tu veux pas J'ai eu les deux types, hein. Je faisais plus souvent du vélo assist et peinard. Ouais. Le Grom, c'est pour le j'en ai marre de tout ce que je dois acheter pour le nouvel appartement vu que je laisse tout à mon ex. Et ça me saoule. Bah non mais j'avais compris hein. J'avais compris. Mais pourquoi tu lui laisses tout quoi? Enfin à un moment. Un moment arrête de tout lui laisser aussi quoi, c'est ça. Enfin. Voilà, je sais pas comment t'as envie de gérer ça et tout, mais Je pense que sur ce coup-là, t'es quand même bien bonne quoi. De tout lui laisser quoi, c'est je piche pas quoi. Alors que globalement celle qui se retrouve le plus dans la merde c'est toi quoi. Les meubles ont été achetés en fonction des pièces, du coup pas trop d'intérêt à les récupérer pour le nouvel appartement. Ok. Donc, évidemment. Donc, on est d'accord que tout ce qui est meubles, il n'y a pas d'intérêt à les reprendre. Donc, tout ce qui n'est pas meuble, typiquement le vélo elliptique, c'est des trucs que tu pourrais récupérer vu que. Voilà, ça n'a pas été acheté par rapport à l'appart. Donc, voilà. Si effectivement il y a des trucs que tu dois laisser. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres trucs que tu pourrais regarder, quoi. Non, je lui laisse, ça va. Je récupère quelques livres, mon PC, mes fringues et c'est marre. Bah ouais, mais voilà. Pourquoi, quoi? Enfin. Après voilà, c'est vos histoires à toutes les deux, je l'entends. Mais j'ai quand même l'impression que tu lui laisses beaucoup de choses quoi. Parce que t'as pas envie de te prendre la tête. Bah ouais, mais elle y gagne quoi. Enfin tu vois, c'est elle qui gagne sur ce coup-là du coup. Après c'est pas une bataille du qui va gagner, qui va perdre et tout, mais elle a la belle vie quoi. C'est tu lui laisses tout. Enfin, tu lui laisses plein de trucs. À la base, c'est elle qui. Enfin, c'est. Ouais. C'est elle qui décide, c'est elle qui garde tout. Merde, quoi. Ça fait un peu chier.
Récupérer le max de trucs hein, que pour revendre en 4 coups durs, ouais. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, ouais. Ça permet le 9 de se projeter, non. Le 9 c'est bien pour se refaire, mais faut des sous, et ça c'est dur. Le 9. Le nouveau, ouais. Ça, Guigui, t'achètes principalement en occasion. Pour partir sur des nouveaux meubles de seconde main, ouais. Alors là où elle a gagné, c'est quand je me suis laissé convaincre que la maison serait achetée par la... SCI familiale avec contrat oral que l'on récupérait nos loyers éco qu'on quitterait séparés. Du coup là j'ai beaucoup beaucoup perdu. Bah ouais mais on peut pas te... Ça par contre on peut pas te juger de faire confiance à quelqu'un quand t'es avec quoi. Enfin tu vois. Quand t'es avec quelqu'un ouais tu vas pas te dire tiens je vais pas lui faire confiance parce que à un moment ça peut mal tourner quoi. Arrête! Merci. Ok. Merde. Looped. Non, je peux peut-être l'avoir. Ah non. Ah si. Voilà. Ok, on repart en haut. Tiens, faut que je me prenne un mob TV Ikea. Mais que je vais chercher d'autres cas. Attends, que je vais chercher d'autres cases avant, ouais. Dur le foncier, ouais. Le mob, ça ira, Osef. Je vais me remeubler chez Ikea, ça sera parfait. En plus, j'ai plein d'idées, comme le dit Git. Mon intérieur à moi sera plus pollué par les souvenirs à elle. Ouais, non, d'accord. Et tu vois, genre le. Rien que le. Le vélo elliptique, voilà, je pense pas que c'est. Enfin, à moins que tu me dises qu'il y a des histoires. Des histoires avec le vélo elliptique, mais bon, j'y crois moyen. Contrat oral, faut pas toujours avoir une trace écrite et valable également. Discord n'arrive même pas à afficher le captcha. Oh putain. Oh la connexion quoi. La connexion. Tu veux pas déménager à Genneville? Ils ont la fibre. En vérité, si j'avais voulu me battre, ce que me conseillait mon avocate, j'aurais pu récupérer beaucoup plus de sous. J'ai pas envie de faire vivre ça aux enfants. Et j'ai pas envie de me prendre la tête dans les procédures pendant des années. Ouais, évidemment, mais... Ouais, c'est facile pour ton ex, quoi, du coup. C'est ok, quoi. Mais... C'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que t'en pas... Tu vois, le fait que tu veuilles que ça se passe au mieux, ok, ça, je peux le comprendre et tout. Mais le fait que elle te fasse chier, enfin... C'est pareil, elle te pourrit un peu la vie, quoi, de ce que tu nous as expliqué. Tu t'en prends plein la gueule, quoi. C'est sa décision, derrière, tu t'en prends plein la gueule, et puis derrière, c'est toi qui, financièrement, en pâtit le plus, quoi. Enfin, merde, quoi. Tu peux pas... Elle peut pas tout avoir non plus, quoi. Elle me frotte sur la cheville gauche, ce qui me fait des petites brûlures sur les longues sessions. En dehors de ça, il est excellent. C'est un Orditrack. Alors là, moi, je ne connais point. Bah, vous savez, à part pousser à la salle, je m'y connais pas vraiment. C'est pas grave, on ne connaît pas des personnes géniales comme vous. Tu veux dire comme les... Les viewers sur le stream, pas le streamer évidemment.
Viens toi. Prends tes chats, terre. Non, marche pas. Ça ne marche pas. En vrai, j'ai toujours Osef l'argent. Je vais mourir un jour et je l'apporterai pas dans ma tombe, donc... Donc... tu vas tout m'envoyer, c'est ça? Au secours, je capte rien à Discord. Je pars explorer. Bonne aventure, hein. Amuse-toi bien, surtout, hein. Nous, on est là si besoin, hein. Est-ce que, Genius, tu pourras envoyer le lien du Discord à Gigit, s'il te plaise. Je peux. Merci beaucoup. Par contre, j'avoue que je vais essayer de trouver un meilleur job une fois installé, car diminution de salaire suite au changement de boulot cause harcèlement en célibataire, ça se hard. Bah oui, non, mais c'est... évidemment que c'est plus compliqué, ouais. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Allez, salaud. Allez, d'accord, faut secouer. Faut secouer la zizimote. Ok. Pourquoi il y a une corniche là? Merde! Oh les salauds. Ah bah il y avait un truc là. Ah, fallait le savoir. Aïe! Arrête! Mais viens mourir, toi! Viens mourir! Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah bah c'est le début du jeu, en fait. Enfin, c'est le début du niveau. Salaud! Ouais. C'est bien, y'a Kiwi qui a commencé à comprendre les vannes qu'il y a un peu ici. Pas compris par contre, même si on a été mariés sur la moitié de l'exercice 2020-2021, on pensait devoir faire une déclaration mutuelle pour moitié célibe, mais en fait non. Je me penche là-dessus. Bon goûter du coup, Kiwi. Il me semble que tu peux choisir maintenant, en fait. Il me semble que tu peux choisir. C'est à partir du moment où tu as été marié une partie de l'année. Tu choisis si tu fais une déclaration commune sur toute l'année ou si tu fais une déclaration séparée. Me propose, si je suis élève, de trouver le hub de mon école, mais c'est pas légal en France, Discord et l'école, hein, quoi. Waouh.
Moi j'ai plus qu'à tout refaire. Super, super. Allez, speedrun. Ok, je peux aller là, c'est parfait. Ça rame, il se passe rien. Je vois votre conf en fond, puis rien. Je ne sais pas. Putain, le salaud. Attendez, regardez. Paf! Comment on tombe là maintenant, hein? Oui, il m'attaque! J'en ai loupé en bas, non? C'est quasiment sûr que... Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Nya 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 nya, pas ici. Ok, il doit m'en rester. Non, pas là. Il doit m'en rester une à avoir, je pense. Enfin, à récupérer. Ah zut! Crotte de flûte! Mes aïeux, quelle joie de rencontrer un nouveau sujet. J'ai une tâche à te confier. Quelque chose me démange au niveau du dos. C'est à toi qui revient l'honneur de me gratter. Elle va se gratter. Hein. Ah, ils sont combien? Alors, oh bah dis donc, ça alors, une étoile. En effet, il y a un plop de Guy. Vos liens et ça, tout est frozen, je préfère garder le stream car en plus ça me bouffe ma connexion. J'essaie à 2h du mat. Ouh, ça chatouille. Oh merde. Pam 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 pam. Pram. Pam 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 pam.
il me ramène là. Ah. La petite comète farceuse. Qu'est-ce que un champignon à rayures? C'est désespérant. Bon, super, amuse-toi bien avec ton nouveau joujou bizarroïde. Pardon. C'est le stress. Une comète farceuse. Est-ce que ça va être rigolo? Non. Mais j'ai du temps en plus! Oh merde. Merde, 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 du temps perdu là. Merde. Merde, pourquoi ça a pas marché? Allez, vas-y. Non, merde, oh là là, Mario, vas-y. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il l'a eu. Trop bien. Aïe! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ouais, 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 vas-y. Yes! Hop! Si ce n'est pas rigolo, pourquoi le faire en vrai? C'est rigolo quand même. Je file, mon convoi t'arrive. Des bisous. Des bisous Johanna. Passe une bonne soirée, amuse-toi bien. Il est chaud le niveau. Ouais. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Plage astrale, ça a l'air d'être bien, regardez. J'ai 30 secondes de lag, c'est relou. C'est normal. Quand t'as du lag comme ça, quand t'as beaucoup de lag, tu peux faire pause, play. Tu fais pause, juste genre 2 secondes, et après tu refais play. En fait, ça va te recaler un peu plus près en fait.
En moins bien ce matin, j'ai vu qu'il y avait plein de étoiles sur le papier sur l'île. Super, tu sers à rien. Moi j'ai la fibre, je vais tenir quelques secondes dans le turfu. Il me voit en avance. C'est pour ça qu'il entend les conneries que je vais dire avant que je les dise. Tiens. La quitte. Ah oui, d'accord. Pars-toi, toi. Mais pourquoi il regarde vers moi, ce con? Depuis tout à l'heure, il fait ça. C'est complètement naze. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vois rien. Pourquoi il vise vers moi ce débilou là? Voilà, c'est mieux. Attendez, je vais essayer de faire les techniques de Mario là. Merde. Dommage, j'ai touché au plafond, ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que ça a été un échec. Je dirais juste que ça n'a pas fonctionné. Mais vas-y! Oh là là, mais sois pas con! Merde! Ça fait du rebondissage. Moi je suis sûr que le jour où je pars de chez moi, je suis chez lui, j'ai perdu 30 minutes de ma vie en espérant, en apparence, qu'il vit à 10 minutes à cause du stream.
Ah, c'est pas clair. Nice. Il y a le... Vous avez vu? Le crabe, il dessine des bits. Regardez. Dans le sable. Bravo. Hein. Ah, j'aime bien la caméra qui tourne comme ça. J'adore. Et ben voilà. Un truc qui est bien. Papapam, papam. En fait, des fois, t'as tellement de retard sur le stream, Geeky, je pense que tu pourrais être... Faudrait que tu lances le stream chez toi, que tu viennes ici, que tu écoutes ce que je dis, et après tu files chez toi, et je suis sûr que t'en... t'as exactement ce que je viendrais de dire avant de partir. Ça serait possible. Wahoo! La fabrication des chambres dorées. Ah ouais. Ah, je me rappelle de lui. Je m'en rappelle. Ah, vous voyez là au-dessus, il y a le machin. Merde. Voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Faut que je les bute sinon à la fin. Sinon à la fin ils vont m'emmerder en fait. Pourquoi j'ai voulu faire ça. Ça pour récupérer une vie. Bon c'est pas grave, ils me font chier à la fin.
Non, pas encore. Oh là là. Premier moment, je vais y arriver. Mais arrête! J'ai failli me péter la gueule. Je regardais pas. Je regardais pas bien, j'ai failli me péter la gueule. Ah bah parfait. Ah bah parfait. Attendez. Voilà. Je vais bolosser des girafes en métal à plus tard. Hein? Ah! T'es sur Horizon, toi. Et bah, bon jeu à toi. Tu feras un bisou à Aloy de ma part. Elle me connaît. Elle m'a vu pendant 80 heures. Petit chien. Petit chien. Faire un bisou au barbu qui drague. Ah là 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 là, bravo. Je vois que monsieur a ses petits préférés, quoi. Ok, ça fait ça. Et pan ? Merci. Bon allez, j'ai autre chose à foutre.
bah voilà. Pam 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 pam. Pam. Ram. Oh mais il m'énerve lui. Mais non mais genre on s'en fout. Quoi? La tâche insolite dans l'espace. Mine d'étoiles. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il a lui? Là-bas ma grand-mère, tu es encore sorti comme un chef. Pourtant c'est pas simple. Si tu jouais avec un joueur 2, il pourrait t'aider. Comique. Toi le comique. Ça c'est fait. Allez, on va se faire le... On va se faire la forteresse de Bowser. Bowser, de Bowser. De Bowser. De Bowser. Attendez, joue-moi un petit coup. Bon, j'ai vu le médaillon. J'ai vu d'où qu'était le médaillon. Non, y'a un Kamek. Allez Kamek. Merde. Et merde. Bon ça va, j'ai réussi à m'en ressortir. Non. Mais pourquoi? Mais pourquoi je peux pas le toucher? Quand même. Désolé. Ah ouais, donc faut pas tabasser le truc tout de suite en fait. Si vous tabassez le bloc en arrivant... Blague, blague, la blague, la blague. Oh, cette musique. Ah, les applaudissements, c'est pas moi qui déconne avec la GoXLR, hein. C'est vraiment dans le jeu. Hein. Ah. Je vais sûrement vous dire, ça y est, il fait encore le con avec la GoXLR, mais pas du tout. Attendez. Je pensais que j'étais à bonne distance. Et pas du tout. Mais en fait pas du tout.
On peut passer en dessous. Mais tapasse-moi, regarde. Regarde, je suis là. Ouh, je suis là. On a des changements de perspective comme ça, c'est galère un peu. Ok. Bon, c'est bien, j'ai chopé le truc au même moment donc. Merde, il y avait un autre médaillon. Il y avait autre chose. C'est parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Yes! Un petit combat contre Bowser. En train de jouer, regarde, c'est super. Oh merde, Bowser! Qu'est-ce que toi? Eh bien, de la part de mon ennemi juré, j'aurais dû m'y attendre. Mais fini de jouer Mario, je vais te rayer du rambouillis plasmique avec mon poing de colosse. Dommage. Ah merde, d'accord, ok. Je viens de voir. Bon. Dans les dents. Et de deux. Et il va se vénère. Pas le viser. Dans ta chetron, Bowser. Il l'a recraché, regardez. Bah oui, il redevient tout petit. Bim! Enfin, tout petit. Il reste balèze quand même. Hein. On voit qu'il fait du sport, le Bowser. Quoi? Impossible! Ah, Mario, pauvre fou! Mon plan poursuit son cours. Tu ne pourras jamais m'arrêter. Spoiler, on pourra l'arrêter.
Ah là, les applaudissements, c'est moi qui fais le con avec la goïse à l'air. C'est pas dans le jeu là. Allez, pan, un nouveau portail. Super, tu nous as dégoté la quatrième super étoile. Tu as encore battu contre ce pirate de Bowser. Hein. Il te devient de plus en plus coriace, pas vrai mon gars? T'as l'air d'avoir pas mal souffert cette fois. Qu'on arrête Bowser avant qu'il ne devienne trop puissant. Allez, redoublons d'efforts, petit mousse, on largue les amarres. Chouchou. C'est le train de l'hype. C'est le train de l'hype. Mazette, cet endroit a l'air d'être vraiment bien gardé. Si mon ami Matelot, ça veut dire qu'on se rapproche du quartier général de l'ennemi. A coup sûr, ces pirates te réservent un accueil explosif à toi de jouer, petit mousse. Alors, satellite survolté. Il faut guider Bobombe. S'il faut amener un Bobombe tout au bout là, ça va être chiant. Tiens, il y a Luigi. Ok, donc ça c'est de là où je viens. Ok, donc je sais qu'il y a le médaillon pas loin. Genre ici, genre qu'on peut avoir avec un long jump. Merde. Ah! Bah oui. Évidemment. Dommage. Je suis en bas. À l'aide.
Ah, le bobombe, il va me suivre, regardez. Il me suit à travers le bobombe. Did you see? Non, là, c'est mal barré, là. Voilà. Allez, viens. Suis-moi. Ok. Merde. Loupé. Bien tenté, mais loupé. Okay. Tiens. Là. Celui-là, la comète farceuse, c'est gros comme une maison, que ça va être une épreuve de rapidité. Je le sens bien comme ça. Ah, j'ai accès à tout. Direct. Il y a de la comète farceuse partout maintenant. Des comètes farceuses. Non, voilà. Si, non, là. On peut pas les voir, celles qui sont actuellement en cours. Si. Mais c'est là. Comète farceuse, comète farceuse. Ok. On va direct aller nourrir machin là. Tiens, on dirait bien que t'as quoi. Bon, alors c'est le même à chaque fois. Moi, tu veux toi 1500. C'est lequel le... qui est parti? Ouais. Ouais. C'est lequel? C'est lui qui fait le banquier? Voilà. Regardez. Je vais en retirer. Indique le montant que tu veux. Choisis OK. D'accord. Il a un masque de plongée. Hop, j'y retourne.
Voilà. Ça valait le coup de regarder ma sauvegarde. Hein. Transformation. Pam 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 pam. Et si je veux, je peux directement aller à celui-là. Regardez. Est-ce que on se ferait pas directement le château? Allez. Allez. Le char à canon. Oh, il y avait une arnaque sur celui-là. Il y avait une arnaque pour sauter des phases, je crois. Merde. Je suis dans du caca pas beau. Voilà, très bien. Y'a pas ailleurs où je peux aller, non. Aïe! Ouais, bien ce qu'il me semblait, il y avait un truc là. Et au-dessus de là, c'est quoi? Une pièce, waouh! Là, je peux vraiment encore choper les trucs, d'accord. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. J'appuie sur B. Attendez, là je suis bien. Bam. Elle a une vie ou pas une vie là? Bien une vie. En mission linge, tu as ta mission si tu l'acceptes et de récupérer le linge. Ah, apéro. Ah ouais, enfin, y en a qui se refusent rien hein. En fait, j'avais même pas besoin de sauter, en fait, j'avais juste à éviter sur le côté. Ah! Quel con! Oui, mission, 3 machines aujourd'hui, dont une avec Kleenex oublié, donc... Oh merde! Ah merde. Ça c'est... C'est la merde!
Mon papa dit que je ne dois plus te laisser mettre la main sur la moindre super étoile. Laisse-moi te présenter mon nouveau joujou, le tank Kataboom. Bien à l'aise dans mon cockpit. Patatarte, tu ne... non, tu ne traduis pas. Je pourrais te voir pleurer de douleur. Il est plus là, Patatarte. Il est jamais là quand il y a les bons mots. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah merde! J'avais plus de charge. Dommage. Merde. Merde. Aïe, 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 aïe. Vraiment, mais quelle honte. Je crois que je vais me faire avoir à chaque fois. Le salaud. Putain, je me fais baiser à chaque fois. Quel con. J'ai failli le refaire. Tiens les oreilles de Patatarte. Fuck. Non, Bowser Junior. Vous savez que ce matin... Vous savez que ce matin, mon stream sur Diablo 2, j'ai voulu mettre comme titre, oui, fuck. Et finalement, je l'ai pas fait. Non ! Putain de merde. Voilà. Ouais, apéro. Ainsi, le soda devient a treat. Et non plus un truc normal que je bois, même qu'on dure pas, c'est symbolique. Genie ce soir. Excellent choix. Et donc voilà, je voulais mettre Diddy Fock. Ça aurait été une blague. Mais je voulais pas mettre fuck. J'ai cherché un autre mot qui pourrait remplacer, qui pourrait aller avec Bibi Fock. Qui ferait Didi quelque chose, mais ça ne marchait pas. Voilà. Je me souviens pas du goût du Genie. Je me souviens que j'étais pas fan en ce moment. Enfin, tu ne connais pas, tu ne te rappelles pas du goût de la plus chaude des boissons froides. Tiens, c'est encore un truc dans les années 90. C'est encore un truc dans les années 90 qu'on nous vendait avec du roulage de pelle.
ça faisait partie de ces trucs. Le Genie, ça faisait rouler des pelles à tout le monde. Tiens, c'est la cinquième super étoile. Je savais que t'en étais capable. Le sixième monde se dresse à l'horizon. Tu te doutes bien que ce pirate de Bowser voudra t'en mettre plein la figure. Donc chercher les étoiles et sauver la princesse en avant toute. Alors petit mousse, t'es fin prêt pour le team bagarre? Pas du tout. Et que 6 mondes. Et toi tu tapes la joue avec la manette. Ouais. Je me nunchuck bifle. Comme les 3-6 ça passe. Quel doux ma soeur. Nous y voilà, il est temps d'en découdre avec ce pirate de Bowser. Prépare-toi à l'abordage, matelot. Elle ne lui laisse aucune chance d'échapper cette fois-ci. La partie était sauvegardée. Mais finalement, je m'en fous. Je veux revenir avant. Voilà. Le mec super relou, quoi. Attends, des vues d'ensemble. Voilà, moi je veux avoir une vue de l'ensemble. On va aller faire les petites comètes là. Alors on va bien s'amuser hein. Les dalle clic clac, on va bien s'amuser. Attention, alerte, alerte. Oh, les pièces violettes quoi. Les pièces violettes sur les dalles. Est-ce qu'il y a du temps? Est-ce que d'après vous il va y avoir du temps ou pas? Ok. Honnêtement, je pense que ça devrait aller. Ah! Ok. Non mais le pire. Le pire. Je sais pas comment j'ai fait pour crever ici quoi. La zizimote. Pourquoi? Quelle connerie. Ok. J'ai essayé de pas refaire la même, hein. Merci. Cette fois-ci, j'ai réussi.
Aladdin. Non. Fuck. Je m'énerve. Je m'énerve pas. Quoi? Quel jeu de bite. Quel jeu de grosse bite. J'attends comme un con. Il fait pas de wall jump ce con. Je me déteste. Ouais bon là... Là par contre, là j'ai fait le connard, là j'avoue. Mais non, mais ça marche. Ça fait 1000 fois que ça passe. Risqué hein. Alors ça c'était risqué. Mais vous savez, j'aime le beau jeu. Et voilà. Non mais ça le décale. Oh là là. Week-end minus 30 minutes. Oh là là, bien vu. Bientôt soon. Soon TM les week-ends. Le week-end de combien de temps d'ailleurs? Combien de temps ton week-end genius? Un week-end de un jour, putain. Eh. Y a pas à dire, hein. Y en a qui ont la belle vie, quand même. Pendant que nous, pauvres âmes, nous errons le petit patapon. Y en a, pendant ce temps-là, des petits week-ends de un jour. Au calme, quoi. Super, quoi. On voit qui sont les... On voit qu'ils sont... Bah regardez, il y a des fois où il fait pas son wall jump. D'accord. C'est bon à savoir. Hein.
Mais non, mais... Mais je mange le gâteau d'anniversaire demain et j'aurai peut-être des cadeaux. Quoi demain ? Pourquoi demain ? Déjà, je gagne vachement de temps en faisant ça. Voilà. Comme quoi, quand tu veux, tu peux le faire. Oh là là. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur. Hop là. Yes. Parce que j'étais pas dispo en même temps que ma soeur avant demain. Ok, ça marche. C'est cool si t'as des cadeaux demain. C'est trop bien. C'est bien les cadeaux. Généralement, les gens, on aime bien les cadeaux. En parlant de ça, demain matin, est-ce que demain matin, on se ferait pas des petites briques? En parlant de cadeaux. Si c'est pour me dire que j'ai trop joué... Ah ouais. Ok. C'est quelle heure le matin de demain? Ah, quand je me lève quoi. Tu vois. Donc j'ai jamais vraiment d'horaire hein, mais demain est-ce que la matinée stream? Est-ce que ce serait pas des petites briques quoi? Alors, Gargantus, contrôle la montre. Faut lui casser la gueule en combien de temps, lui? Je serai en voiture en fin de matinée, donc ça va dépendre à quelle heure tu commences. Comme d'hab, 10h, 10h30, quoi. Peut-être même avant, je sais pas. Aïe! Merde, il m'a eu. Zut, il m'a eu. Non, j'ai pas eu! Quel con! Je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Oh, c'est chiant. Super, super.
Sinon, à un moment, tu re-rentres dans le sol ou pas, hein, là? Ou juste, t'as décidé de me faire chier? Non, mais en fait, non, mais il veut pas rentrer. Non, mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas une balle que je meurs, parce que de toute façon, j'en pars aussi, quoi. C'est le dragon, comme d'un course Mario Kart, j'adore cette course. Enfin, la route dragon, ouais. Oui, oui, c'est lui. C'est lui. Alors. Alors lui, je sais pas comment ne pas me faire toucher. Hein. Je me fais toujours toucher, quoi. Allez, vas-y! C'est bien. Non! Putain, merde! Putain de merde. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai réussi, mais je voyais rien. Merci pour le GG. Mais je voyais que dalle. Hein. Franchement, j'ai bourré, j'y suis allé au pif. Hein. Allez, on s'en fait une dernière. Et après, on ira se faire une pause. Allez, on va voir ce que c'est ça. On va voir les chutes, qu'est-ce que c'est? Putain. Contre la montre. Ok. Let's go. Ah, évidemment, on a des trucs qui nous tombent dessus, quoi. Et bah, c'est parti. Ah, mais non, mais vas-y. Non, mais vas-y, Mario. Et des trous. Il a l'air content, le Yoshi, là. Il se marre, lui, il vit sa meilleure vie. Hein. Ok, alors là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Vu que déjà c'est pas trop la folie là dans le coin.
Pourquoi j'ai fait ça? J'étais à la fin. J'ai tout chié à la fin. J'ai vraiment tout chié à la fin, quoi. Vas-y. Ah là là. Ouais, j'ai oublié de choper les trucs en plus. Hein. J'étais à la fin. C'est rageant. De toute façon, t'as pas le droit d'avoir un coup de barre maintenant, Genius, vu que. T'es encore au travail là. Regigit. Putain, je suis trop con. Que cogno. Mission vaisselle. Bourrer de la vaisselle, quoi. Oh la chatte! Ok, c'est bon. Je reviens pour un stage pas putain. Ouais bah. Ah, ils vont pas me saouler pour 16 minutes qui restent quand même. Ouais, j'espère. Allez hop, 60. Et hop. Évidemment, on a chopé plein de fragments d'étoiles. Ouais, on compte sur toi. On compte sur toi, bah moi je vais me barrer. Hop. Ouais, je me casse. Allez, des bisous YouTube. À une prochaine.